Bienvenue à Fort Boyard. Aujourd'hui, pas de pitié. Pas question de se laisser attendrir par sa douce blondeur ou son regard naïf. Non, elle est capable des pires coups pendables, ne serait-ce que pour garder une bouffette, comme dans Black et Bottine. Elle est également sensible aux odeurs. Ça tombe bien. Ici, c'est l'endroit rêvé pour être mis au parfum. Son partenaire, c'est autre chose. À la question « De quoi avez-vous peur? », il a coché toutes ses réponses. Après son expérience à Fort Boyard, RBO voudra dire Richard bien ordinaire. Il serait plutôt du genre fort pépère, fort bungalow, avec épreuve d'aspirateur ou lancer de la serviette. Aujourd'hui à Fort Boyard, l'équipe de Maï Paiement et Richard Z. Sirois. Il est déjà mort. Bonjour, bienvenue à tous. Je vous présente Éric Gingras, Cathy Laroche et Serge Godet. Tu sais, il devrait y avoir assez de complicité aujourd'hui à l'intérieur de l'équipe parce que Éric et Cathy vivent ensemble et Serge et Éric travaillent ensemble. Fait qu'ils se connaissent, ça devrait cliquer. Vous faites équipe avec Maë et Serge. Richard... Maë et Richard, excuse-moi. Richard Z. Sirois, qu'est-ce qu'on a lu dans une revue il n'y a pas si longtemps que tu... Bien, j'ai juré que jamais je ne participerai à l'émission Fort Boyard. Et je me demande pourquoi j'ai pas tenu ma promesse. Mais ça a l'air que jamais c'est aujourd'hui, hein? Oui, mais on a une belle équipe. On a une combinaison de force, d'intelligence, de beauté et d'amateur de buffet. Maë, est-ce que tu réalises qu'avec tout ça, là, c'est toi l'homme du couple? Oui, puis la preuve de ça, c'est que Richard, il porte une gaine sous son short aujourd'hui. Bon. On n'est pas ici pour passer au buffet, premièrement. On est ici pour récolter des clés, avoir le bon mot-code et peut-être accéder au trésor. Mais ça se fait pas tout seul, ça se fait pas en criant ciseaux. Ça nous prend 5 clés pour accéder à la salle du trésor. Ça nous prend le bon mot-code pour avoir le trésor. Maintenant, la première clé, on l'obtient avec une visite chez le père Foura. Est-ce qu'il y en a qui est intéressé déjà? Personne? Pas de volontaire? On verra bien. Mijotez quelques instants. Et ensuite, s'il y a une bonne réponse, il y a une clé. S'il n'y a pas de bonne réponse, il y a Serge qui va plonger pour récupérer la clé en question. Mais tout ça, ça se fait dans le même temps, les mêmes 35 minutes à partir du coup de gong. Première visite à la vigie, Maë, tu t'en vas immédiatement. Avec Alain et Serge, tu vas accompagner Marie-Soleil, d'accord? Oui. OK, Maë, tu peux y aller. Vas-y tout de suite. 35 minutes à partir du coup de gong. La boule, coup de gong. Oh là là, si j'avais su que c'était Maë qui venait me voir, j'aurais fait un peu de rangement, je me serais habillé autrement. Oh là là, je vais me mettre comme ça, c'est mon meilleur profil là, ça m'avantage. Bonjour Maë. Bonjour. Vous pensez que je pourrais être un mannequin un jour? Sûrement, oui. Moi, je suis déjà au top et puis pour beaucoup un modèle. Allez. On va voir si vous avez les deux pieds dans la même bottine. Écoutez bien. Incompréhensible pour un Français quand je sors de la bouche d'un Québécois. Qui me frappe n'atteint rien. Pour me faire en noir, cognez-vous à l'armoire. Qui suis-je? Je répète. Incompréhensible pour un Français quand je sors de la bouche d'un Québécois qui me frappe n'atteint rien. Pour me faire en noir, cognez-vous à l'armoire, qui suis-je? Évitez de me regarder parce que ça me trouble. Un patois, un bleu. Non. Aïe. Allez. Allez, Maë. Le beurre. Mais oui. Oh. Les Québécois prononcent d'une façon incompréhensible pour les Français le mot le beurre. Voilà. Le beurre. Et frapper dans le beurre ou pas, c'est dans le beurre. Et puis l'expression un œil au beurre noir. Et Oh non. Là, Maë, c'est du beurre salé. Hein. Allez, hop. Serge. Oh. Allez. Descendez. Bonjour. Oui, bonjour. C'est très bon. Thank you.
OK. Serge, Maë a passé dans le beurre. Ça fait que tu vois la clé là-bas? Oui. Tu vas la chercher le plus vite possible? Oh, mon... Oh. OK. Une épreuve que t'as une petite mouche ici, c'est pas une épreuve, mon Richard. As-tu le goût de faire le ménage? As-tu le goût de passer l'aspirateur, de lancer la serviette? Est-ce que tu veux t'en aller tout de suite? Je vais laisser la chance à un de mes collègues d'entrer dans cette pièce. Voici petit pas de course. J'ai bien fait ça, va me rejoindre. Montre-nous ton beau visage. T'es pour les araignées, toi? Oui, c'est ça. Les araignées, c'est habitué de marcher au plafond. En principe. Puis, tu savais-tu qu'il y avait des araignées ici? Non. Mais l'araignée aujourd'hui, c'est toi. OK? Oui. Let's go, Eric! Let's go, Eric! OK. Alors, là, la clé, Eric, est au bout complètement, au bout du plafond. Tu dois te hisser sur les étriers, te mettre les pieds dans les étriers. Parfait. Puis aller chercher la clé. Parfait. Fais ça vite. Est-ce que tu la vois, Eric, la clé au bout? Oui. OK. C'est beau, Serge. Prends ton temps, mais fais ça vite. Let's go, Eric! Parfait. Go, Eric. La clé est au bout. Ah oui, vas-y, tranquillement. Perds-la pas de vue, Eric. C'est bon. Ah, ça, la clé, ça, il bon. Une fois qu'il sait où est-ce qu'elle est, il faut juste qu'il se rende. C'est de faire les grands pas. Tranquillement, Eric. Ben, il n'y a pas énormément de temps à regarder le temps déjà, alors il va vraiment falloir qu'il fasse ça vite. Qu'il fasse ça très vite. Vas-y, Eric. T'es capable. Capable, Eric. On a déjà une clé, Eric. Dépêche-toi, Eric, t'as vraiment pas beaucoup de temps, OK? Allez, Eric. Vas-y, Eric, t'es capable. Aïe. Ça va bien? C'est vraiment pas long. Eh non, c'est ça, c'est pour se transporter des triers en étriers. C'est pas grave, y'a rien long, ça va tout de suite à la prochaine. C'est bon, venez-vous en faire votre tâche. Ça va pas vite. Richard, est-ce que tu pompes? Oui. Mais aussi. Mais ce qu'il y a de beau avec Fort Boyard, c'est qu'on retrouve son âme d'enfant. On retrouve les joies que l'on avait lorsqu'on était petit. Et quand on allait à des fêtes foraines, on lançait des choses dans les paniers pour essayer d'avoir le jouet, le toutou en question. Mais ça, on n'a pas le droit de se serrer de ses mains. Il faut sauter de joie et lancer des boulets quelque part pour obtenir, pas un jouet, une clé. OK. Encore? Comment ça, encore? T'as vraiment utilisé ton cerveau jusqu'à maintenant? Là, tu vas sauter de joie. OK. OK, Maë, tu y vas? Vas-y, ma chère. OK. Là, tu vois la bascule? Vois-tu la bascule? Maë, il faut qu'avec chaque... Il faut que tu rentres un boulet dans chaque tonneau, OK? Dans chaque baril. Vas-y, Maë, t'es capable. Go, Maë! As-tu compris le jeu? Regarde, Maë! Oui? Mais il faut que
tu mettes le boulet au bout de la bascule, OK? Laisse-le glisser dessus, laisse-le glisser. Bon, où est-ce que laisse-le glisser, puis tu mets le... Non, 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 laisse-le... Enlève-toi de dessus, laisse-le glisser. Okay, là. Tu mets le petit tabouret au bout, aligne-le comme il faut. Puis tu sautes. Et puis tu vises le baril, aligne la bascule comme il faut. Faut que le boulet aille dans le baril. Voilà. Maé, vise bien le baril. Faut qu'elle vise comme il faut. Tu peux tasser ton tabouret ensuite. C'est ça. Mais vas-y, laisse-la aller. Vite. Saute fort, Maé. De toutes tes forces. Faut vraiment qu'elle laisse, le boulet cesse aller au bout. Puis après ça, elle... Saute. Je pense que ça va aller mieux si elle installe comme il faut le petit tabouret au bout complètement. Mais toi, mets le tabouret au bout du... Voilà. Dépêche-toi! T'as le temps encore! Vas-y, aligne-toi très bien! Sors plus haut, Maé! Qu'elle aille de tout son poids! Mets toutes tes forces! Oh. Allez, Maé! On recommence! Laisse-le glisser, aligne-toi bien! Toutes tes forces! Dépêche-toi! Encore, Maé! Plus fort, plus fort! Plus fort! Qu'elle saute haut! Qu'elle saute haut! Saute haut, Maé! Saute! Dépêche-toi! Tout ton poids, Maé! Yes. Aligne-toi bien, prends tout ton temps, force! Vas-y, oh, go! N'oubliez pas le temps, la gang! N'oubliez pas le temps, la gang! Il va falloir la faire sur Maé! Il va falloir que tu engraisses un peu. Hey, là, on va commencer à se dépêcher, aller chercher des clés. Venez-vous-en. OK, on fait pas ça. Est-ce que les explications du début n'étaient pas claires? Ah, oh, c'était clair. Non, pas pour ça. Oui, au tout début, là, est-ce qu'on s'est parlé vraiment de 5 clés? Oui, 5 clés. C'est pas ça? Je pensais que c'était 2. T'écoutes pas quand je parle. Richard, le père Foura t'attend avec beaucoup d'impatience. Oh, OK, tu y vas avec Alain. Vas-y. C'est la preuve, Richard! Parmi celles qui restent, parmi les personnes qui restent, laquelle parmi vous, à quelle des personnes a le sens de l'orientation le plus développé? De savoir partir dans une direction, de se rappeler de son chemin, de revenir. Laquelle? Vous autres, êtes habitués à l'écordage, vous n'êtes pas intéressant. Cathy, viens ici, Cathy. Cathy, n'oublie pas une chose. N'oublie pas une chose. Tu dois aller une première fois dans ton chemin et revenir. Mais reviens avec la clé. Je pense que ton équipe aimerait ça. Mais rappelle-toi par où tu passes. OK? OK? Rappelle-toi par où tu passes. Faire pas de temps dès le départ, Cathy, OK? Tu trouves les trois ouvertures, tu rentres. Cathy, la première ouverture est marquée en rouge. Tourne. Oh ouais, lève la tête, Cathy, juste en haut. Regarde, OK, tu rentres par la première ouverture rouge. Je rentre là-dedans? Oui, vas-y. Let's go, Cathy! On se dépêche, Cathy, on a la clé. Sur chacun des filets, il y a une ouverture. Il faut qu'elle trouve les trois ouvertures qui reviennent par le même chemin. Non, c'est la seule qui est marquée. Cathy, rappelle-toi de ton chemin! Il faut que tu trouves les autres ouvertures. Il y en a une sur chaque filet. Vas-y. Une sur chaque. Fais le tour. Dépêche-toi, là. Ça prend une ouverture. OK, elle fait le tour. Regarde comme il faut. Cathy, trouve l'ouverture. Elle tourne sur chaque face. Est-ce qu'elle a vu l'ouverture? Quand tu veux l'ouverture, Elle vient juste de passer tout droit. Retourne. C'est beau. Continue. Continue, Cathy. Reste encore du temps. Dépêche-toi. Ça prend l'autre ouverture. Cathy,
qu'elle revienne, mais ça va être long. Qu'elle trouve l'autre ouverture, mais ça... Voilà, l'a trouvée. C'est bon! Prends la clé, prends la clé! Dépêche-toi! Viens-t'en, Cathy! Prends la clé! C'est bon, Cathy, fais ça vite, tu reviens! Dépêche-toi! OK, viens-t'en! Dépêche-toi! OK, attends! Dépêche-toi! Ça va être à droite, hein? Ça va être à droite. Ouais. Elle s'en souvient pas. Dépêche-toi! Fais ça le plus vite possible, Cathy! C'est bon. Dépêche! Oh, yo. Dépêche-toi! Viens-t'en, Cathy! Vite! Dépêche, Cathy, viens-t'en, on va pas te perdre! Cathy, t'es prisonnière! OK, on va te retrouver à la salle du trésor. T'as super bien fait ça, OK? Lâche pas, OK? All right, on continue. Nous autres, on va aller voir comment Richard se débrouille avec le parcours. Après, on continue. Celui-là, il va écouter, hein, il va écouter. Venez, j'ai une petite confidence à vous faire. Allez, papa! On n'a pas ma moustache. Ça manque pour ma collection. C'est mon porte-bonheur. Bon, écoutez, moi, je vais vous couper le sifflet. Alors, tenez-vous bien et concentrez-vous. Comme résultat, c'est pas fameux. C'est un vaurien rencontré à la dizaine. Et quand il se mêle de température, il laisse un frisson dans le dos. Qui est-il? Je répète. Comme résultat, c'est pas fameux. C'est un vaurien rencontré à la dizaine. Et quand il se mêle de température, il laisse un frisson dans le dos. Qui est-il? Et vous me dites, allez, c'est... Nul? Non. Vaurien? Non. Voyou? Non. Bandit? Non. Nul, voyou, vaurien, bandit. Allez. Dur? Non. Crétin? Le vent. Bah, allez, Richard. L'air? Non. Oh, ben écoutez, alors là, Z, hein, comme un zéro. Bah oui, le zéro. Quand on obtient un zéro, ce n'est pas un bon résultat. Au début d'une dizaine, on le rencontre, 10, 20, 30, etc. Et zéro degré, c'est pas chaud et ça laisse un zéro dans le dos. Allez, hop. Descendez. Hop, un zéro au placard. Quelques petits poils, moi. Hey. Donc, vous avez compris, Serge, principalement pour toi, il n'y a qu'une seule fois où tu plonges pour aller récupérer la clé à la main. Là, Richard est allé tout seul, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais on peut quand même se reprendre. Toi, tu t'es mouillé. Mais on peut continuer de se salir. Tes chaussures sont beaucoup trop neuves, on va les enlever. Ton micro, pas besoin de ça. Je pense que... dans le fond, c'est pas une épreuve, Maë. Maë? Oui? Maë, c'est pas une épreuve. Juste une petite retouche maquillage. Ah! Oh. Juste un petit... Parce qu'on a une petite ligne à corriger. Okay. C'est pas grave, mais il y a une clé au bout de ça quand même. Maë, il y a quelqu'un qui t'attend. Hésite pas, fonce, OK? Maë, ça la prend. Tu y vas. Ça la prend, la clé. OK? OK? Vas-y. Vas-y, tu la prends par surprise, puis tu y vas, OK? Vas-y, ma belle, vas-y. Maintenant qu'elle a décroché, la femme forte peut plus l'accrocher. Aide-en l'argile, Maë, la clé. Par terre devant toi. Maë, où est-ce que t'es tombé? Fouille. OK, c'est dans ce coin-là. Juste là, dans ce coin-là. En arrière, recule. Fouille, passe tes mains autour. Là. Recule un petit peu. Vous avez tes genoux à peu près. Oui, près de tes genoux. Fais vite! Vas-y, fouille dans la terre! Fouille avec tes mains dans la terre! Dans l'argile, fouille! T'as pas peur de brasser! Vas-y, c'est juste... Viens, tu m'as fait peur! Écoute, tu fonces! C'est bon, t'es-tu correct? Non, c'est beau, je me suis comme dans... Non, c'est bon.
OK. Pas de modèle. Écoute, on va te laisser prendre ta douche, puis tu vas venir nous rejoindre, OK? OK. C'est bon. All right, on va laisser le micro ici, puis nous autres, on continue. Okay. Excellent, allons-y. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'elle a foncé. Puis là, ben, elle a failli l'échapper. Elle l'a trouvé. Est-ce que j'ai trouvé un rôle dans Alerte à Malibu? Ou Alerte à Malibouette? Malibouette. Aïe, aïe. Est-ce que c'est vrai que les pompiers araignées sont des êtres orgueilleux? Un petit peu. Ils ne veulent pas abandonner. Quand ils veulent sauver la vie des gens, ça prend du courage, de la ténacité. Ouais. Détermination. Détermination. C'est bon pour le fort. Mais c'est pas bon pour la prochaine épreuve. Oh non! Richard, écoute. Écoute bien. Ici, là, cette cellule-là, c'est une formule tout compris. Okay. On fournit le moyen de transport, on fournit la clé, on fournit le grand confort. Tout ce que tu as à faire, c'est de te mouvoir. Comme autour d'un buffet, comme dans les assiettes. Même, tu as même pas besoin de servir de tes mains pour attraper la clé. J'ai comme l'impression que je dois pas te faire confiance. J'ai comme l'impression que tu as raison. J'ai comme l'impression que j'ai chaud. Ah. OK, Richard, il va falloir que tu te donnes, OK? Ça prend absolument cette clé-là. Tu y vas, le temps va commencer seulement quand tu vas entendre deux cloches, OK? Alors, il faut que tu reviennes avant la fin des deux cloches. Il va falloir que tu fasses un aller et un retour. La clé va se décrocher toute seule. OK. Ça fait que tu y vas, puis tu reviens. OK. Et puis, ça va prendre toute ton énergie, toute ta force. OK? Alors là, ils vont l'installer. Est-ce que le temps est parti maintenant? Non, le temps va partir quand tu vas être fini d'installer. OK, Richard, là, avec la force de tout ton corps, tu fais tourner le gyroscope, OK? OK. Faut vraiment qu'avec la force de son corps... Avec la force de ton corps! Vas-y! Oui, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Oui, ça s'en vient, continue! Mais il semble que j'avance pas! Oui, ça avance tranquillement, mais continue! C'est ça! Lâche pas, ça s'en vient, continue! Tu le fais tourner le plus vite que tu peux! Il faut que tu sortes de ton corps! Sors-toi de ton corps! Ça avance, dépêche-toi, ça avance! Le plus vite possible, Richard, lâche pas! Faut que tu fasses le plus vite possible! Il va falloir qu'il revienne après, hein? Lâche pas! Continue! Dans le bon sens! Continue à bouger, Richard! Bouge tes hanches! Oui! Allez, bouge tes hanches! Je suis complètement étourdi! Lâche pas! OK, allez, ça change! Oui, Richard! Tu retournes! On continue dans l'autre sens, c'est bon! De la clé, Richard, il faut que tu reviennes vers la porte. Sors-toi de tes hanches! Accélère, Richard! On a besoin de la clé, plus vite! Ah ouais, Richard, dépêche-toi! Lâche pas, Richard! Richard, ça nous prend la clé, lâche pas! Ouais, bouge! Vite! Dépêche-toi, Richard! As-tu beaucoup de courage? Allez, Richard! Ça s'en vient! On a besoin de la clé! Ça fait rien, c'est pas grave! Let's go, Richard! On est avec toi! T'es rendu, Richard! Ah! OK, les deux cloches viennent de sonner! C'est bon, Richard! OK! C'est réglé maintenant que la double cloche a sonné, tu peux plus être prisonnier! C'est bon, t'as eu la clé! Oh! Ah, il a bien fait ça! Richard, le buffet chinois est rendu haut. La clé est haut! OK. Je vois pas la clé! OK, elle est en arrière de toi sur la flèche blanche, la clé! OK, vas-y, la clé sur la flèche blanche en arrière de toi, tu la ramasses puis tu viens nous rejoindre! Yes, sir! C'est beau, Richard! T'as des couleurs! Richard, vas-tu? Vas-tu encore? Vas-tu encore faire pour un buffet? Richard, c'est beau! Ça va-tu? Aïe, ça tombe! Ça va? On l'a-tu ou on l'a pas? Oui, on l'a eu! OK, allez, on continue! C'est bon, venez-vous-en! OK! La digestion?
le buffet, là. Ça tourne, Guy. Ça tourne. Bon, mais tant mieux pour toi, ça vous fait une autre clé. Quand t'as plongé tantôt, Serge, là, oui. Hein, t'as mis ta tête dans l'eau complet, là. Oui. Parce que là, je vais offrir à boire à tout le monde, c'est ma tournée. Okay. Sauf à toi. Comment ça? Sauf à toi. Non, parce que t'auras pas nécessairement envie de boire. Chose certaine, il faut absolument pas que tu lâches ce que je vais t'offrir comme cadeau ici, à cette porte-là, OK? Main gauche, main droite, et tu les lâches jamais, à l'aller comme au retour. Tu reviens okay. avec okay. les poignées dans okay. les mains, Serge, OK? Alors, tu lâches pas les poignées? Let's go, mon Serge! Ah ouais! Va y chercher! Okay. T'es capable, Serge, t'es capable! Penche-toi, Serge, penche-toi bas! Penche-toi bas! Un pas! Un côté, un pied, un bras à la fois, pied, Serge! Un pied, vas-y avec un... C'est ça, un côté à la fois, garde une tension dessus! C'est bon, Serge, ça vient, ça vient. C'est bon, c'est exactement ça. Lâche pas, mon Serge, lâche pas, garde une tension! Tu l'as très bien, ça va très bien! Aussitôt que tu peux se mettre la tête dedans, qu'il aille ouvrir le couvert. Serge, aussitôt que tu peux mettre ta tête dedans, va ouvrir le couvert! Voilà! C'est bon, lâche pas, Serge! Vas-y! OK, il a ouvert le couvercle dans les dagues. Viens, va chercher la clé! Ouf! Ouais, c'est bon! Lâche pas les poignées, Serge! Voilà, il lâche pas les poignées. T'es prêt! OK, alors... Lâche pas les poignées, lâche les poignées! Non, non, non! Oh, tu l'as échappé? OK, lâche pas les poignées! OK! Excellent! T'as encore du temps! Merveilleux, excellent. Là, on s'en va tout de suite à la salle du trésor parce qu'il nous manque une clé. Venez-vous-en. OK. Et une souris verte. Et Cathy qui revient. Cathy, la seule façon d'obtenir la cinquième clé, la clé mentale, c'est de sacrifier quelqu'un aux oubliettes. Pour avoir la cinquième clé, c'est indispensable. Qui va y aller? Je vais y aller. J'ai fait deux épreuves. Deux clés sur quatre. Éric, il y a une chance de l'aider. On va au moins laisser mettre les clés dans les serrures. Allez-y, les clés dans les serrures, allez hop, juste les déposer dedans. On a quatre clés. On va aller chercher la cinquième. OK. Puis maintenant, les gars, vous allez disposer de Serge. Ah, OK. Éric, Richard, vous allez l'aider. Oui. Parce que c'est la seule façon d'obtenir la cinquième clé. Bye, Serge, on t'aime. Merci, hein. Attention. Attention. Attention, Théo. C'est beau, attention. Attention, Théo. Allez hop, attention. Richard ou Éric, vous récupérez la cinquième clé. Laissez-la pas tomber, surtout, hein. OK. Serge, tu lances la clé? All right, okay. Excellent. Cinquième clé, là. On l'avait. Bon. Donc, merci, Serge. Merci. Vous avez vos cinq clés, ça donne accès à la salle du trésor. On ouvre la porte. Les clés, c'est terminé. Maintenant, on cherche des indices. Le premier indice, on l'obtient à la vigie avec le père Foura. Trois définitions du même mot. Ce même mot devient le premier indice. Et pour aller chercher le premier indice, c'est Cathy qui part immédiatement à les rencontrer le père Foura. Et là, n'oubliez pas, on cherche des mots, on cherche des indices. On s'en va tout de suite à la première aventure. Allons-y. Tout de suite. Vas-y. Allez hop, pas d'échange d'indices. Ça tombe bien, je n'avais pas envie d'en donner aujourd'hui. Bon, allez, Cathy, on perd pas de temps, allez, oh là là. On perd pas de temps. Oui, le jar est un peu mou, hein. Ah oui, allez, je sais. Trois définitions, on se concentre et on répond. Mon premier indice est un milieu en soi. Allez, proposez. Est un milieu en soi.
Mon premier indice peut être culturel ou commercial. Alors vous dormez ou quoi là? Alors. Et mon premier indice est un point d'équilibre parfait. Point d'équilibre parfait. Par ici, par ici. Oui, je suis en train de penser là. Allez, allez. Point d'équilibre parfait. Association. Bon. Écoutez, vous n'avez pas de premier indice, hein? Vous repartez sans. Vos amis vous attendent près du surplomb. Hein? Et continuez à réfléchir, Cathy. Ah oui, elle s'endort. Hein? Allez, 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 allez. Hop. OK, alors là, on est installé pour accueillir Richard qui va faire sa première aventure. Pendant qu'on va voir Richard faire ça, Éric, tu t'en vas te préparer pour la deuxième aventure, OK? Oui. Tu suis Dédé, puis on va te rejoindre tantôt. OK, on regarde ça. Richard, le prochain indice est dans la petite poterie là-bas. Ouais. T'as un bâton, t'as juste à t'en servir pour casser les tout. Sauf qu'on a dû s'installer un peu rapidement, c'est pas de niveau. Mais t'as une poignée sur toi, là, sur ta poitrine, t'as qu'à tirer dessus et tout va revenir de niveau. Au départ, tu donnes une poussée là-dessus. Tu marches un peu sur les mains et après, tu attrapes les cordes pour t'avancer. Ça va? Le bâton, tu peux le laisser traîner. Après, il sera pas perdu. Je veux plus y aller. Okay? Ça me tente plus. Ben oui. Écoute bien les consignes de Marie, OK? Elle va t'aider là-dedans. Là. Soit tu n'as pas à t'en faire. Tout ça, ça a été testé il y a à peu près 350 ans. OK? Donne-toi une première poussée, Richard, puis t'as juste à marcher sur les mains ensuite. C'est... Oh, le talent! C'est magnifique! C'est beau! Vas-y! Tranquillement! Oh non, faut pas qu'il hésite. Richard, hésite pas! Vas-y, Richard! On a besoin de... Hésite pas, Richard! C'est super bon! Super il faut que, bon. Faut que tu traînes avec les cordes! Regarde ça, OK, Richard, hésite pas, vas-y, OK? Pousse un peu, vas-y, pousse-toi, tire maintenant, tire, vas-y, OK, c'est bon, c'est bon, Richard, vas-y, continue avec énergie, c'est bon, il n'y a pas de danger. Vas-y, Richard, t'es attaché, t'es sécuritaire, on marche. Tire avec le deuxième cordon, là, avec le deuxième cordon, OK, c'est bon, lâche pas. Il y a quelque chose qui a décroché. C'est comme arrivé, vas-y. OK, ça va bien. OK, là, tu te balances puis t'attrapes les autres cordes. Vas-y, balance-toi! Il y a presque. Vas-y, c'est bon! Lâche-toi, Richard! OK, là, Richard... Quoi? Richard, pour être capable de rapprocher la poitiche, là, oui? De la poitrine, toi, il va falloir que tu tires sur la corde, sur la petite poignée, OK? Laquelle? La poignée, là, à ta gauche! Voilà, tu tires là-dessus! Mais est-ce que je lâche la corde? Oui! Oui, mais... C'est ça! OK! OK! OK, prends le bâton et essaie de casser la poitrine le plus vite possible avant que les deux s'auto-détruisent! Il y a personne qui sait que j'ai le vertige ici! C'est bon, Richard! Balance-toi! Vas-y! Un autre coup! Plus fort que ça! Plus fort! Je suis trop loin! Richard, prends tes deux mains sur le bâton, OK? T'es pas obligé de te tenir, ça va bien aller, vas-y! Vas-y, Richard! T'es attaché! Balance-toi comme ça! Oh là là! OK, l'indice est accessible! L'indice est accessible! Comment ça? Oui, mais je peux pas lâcher! C'est bon, Richard! Faut que tu nous le dises maintenant! Par en haut ou par en bas que ça se dévisse? Ben là, ça devrait se dévisser juste d'un bord, tu devrais y arriver. En haut, c'est ça. Par en haut. Faut pas que tu l'échappes, hein? Faut pas que tu partes au vent. Hey, j'ai le vertige! Venez me chercher, quelqu'un! Ouvre ça, Richard! Vas-y, Richard, vite! Perds le pas, hein? Ouvre ça, puis lis-nous là, puis... Allez! Parle pas. Je peux pas le lire, j'ai les yeux fermés tout le début. Richard, ouvre-nous ça. J'ai le vertige, j'ai peur de l'eau. Pompe, puis venez me chercher au plus vite. OK, on va venir te chercher. Nous autres, on va se préparer pour la deuxième aventure, OK? À tout de suite, Richard, bravo. Vous en les filles. Bravo. C'est bon, Richard, t'as bien fait ça.
Eric, Richard vient de vaincre deux de ses grandes peurs. Bravo. L'eau et le vertige. Mais vous autres, les pompiers araignées, là, quand vous installez, vous êtes toujours assurés, toujours sûrs de vos cordages. C'est la même chose ici. Sauf qu'on te présente l'aventure du saut de l'ange. Et l'ange, c'est toi. T'oublies pendant quelques instants, t'oublies pendant quelques instants que t'es une araignée et t'es un ange maintenant. Tu as fait une envolée extraordinaire. Sauf que le problème, c'est que l'indice, il est placé presque à tes pieds et t'auras la tête en bas. Pas de problème. Pour te redresser, t'as qu'à utiliser cette sangle-là, cette courroie-là. Parfait. Tu te redresses, tu restes bien confortablement assis sur tes pieds. Oui. Ils sont bien attachés, hein. Tu es en mesure de te constater. Oui. Et là, tu vas aller chercher l'indice et tu vas le crier à tes coéquipiers qu'on aura installés aux premières loges. Oui. Okay? Parfait. Puis attends, je te fais juste une petite remarque, tu t'en rends compte avec ta chevelure, c'est un peu venteux. Okay. Mais ça, c'est pas grave. Non. T'en as vu d'autres. C'est okay. Cathy, sa blonde, qui a l'air de trouver ça moins drôle en ce moment. Hey. Est-ce que t'es l'héritière? Oui. OK. OK, on va aller s'installer pour voir ça comme il faut. Oh. Bon, par ici, s'il vous plaît. Oui. On vous a réservé des bonnes places. OK. Éric, quand t'es rendu en bas, tu te remontes, t'attrapes le ruban rouge. Ouais. Et puis tu nous cries le mot, OK? Ben, je fais un tirer sur le ruban rouge. Le ruban rouge va être libéré, puis tu tires dessus, puis tu vas voir le mot. Tu vas avoir la cartouche pour lire le mot, pour pas que tu l'échappes, hein? La cartouche est où? Elle est dans le... Elle va être libérée au bout du ruban rouge. OK, mais elle tombera pas, la cartouche. Non, là. Mais faut, quand tu l'ouvres, là, faut pas que tu échappes le mot, parce ouais. que tu vends beaucoup. Faut pas que tu échappes le mot. Hey, Richard, t'es revenu! Richard, tu veux-tu prendre la place d'Éric maintenant? Okay, ça va sortir tout seul. Je cherche le ruban rouge. Ah non, d'accord. Okay. OK, on va laisser Éric se concentrer un peu. Attention, ça sera pas long. OK. T'en files pendant ce temps-là. Ah, 35 minutes bon. Maximum. Avant de commencer à réfléchir. Avant de commencer à réfléchir un petit peu. Est-ce que vous avez des idées? Vous avez comme mot, comme indice, pompe et muscle. OK, pompe, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des sacrifices? Oui. Est-ce que. Oui, oui OK, oui. Bon, mais on y va tout de suite. Viens sans Cathy. Pompe, la main, muscle. Tu y vas. Et vous allez avoir d'autres bras, d'autres têtes avec le retour d'Éric dans quelques instants. Pompe, muscle. Et pompe, pulsation. Muscle, pulsation. Pompe, muscle, pulsation. Cœur. Oui. Excusez-moi. Ah, c'est bon, ça. Le muscle, le cœur, c'est un muscle. Pulsation. OK. C'est pompe. Le cœur. Puis l'autre, c'est quoi? Pompe, le cœur, pompe. Je suis sûre que c'est cœur. Alors, pompe, muscle, pulsation. Soyez sûr du mot et de son orthographe. C'est un mot à 5 lettres. Le cœur, c'est une pompe. C'est un muscle, puis on a des pulsations. Ouais, c'est on un essaie petit ça. Mot on essaie ça. Cœur. Oui. Ouais. Êtes-vous d'accord, la gang? Oui, 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 oui. Cœur. OK, vous pouvez commencer. OK, la cloche. Vous pouvez commencer à séparer les lettres. C-O-E-R. C-O-E-U, moi. Oui. Alors, la porte va s'ouvrir aussitôt que les tigres ont libéré la salle du trésor. O-U-E-R. O-U. Donc, vous vous mettez sur les lettres sur lesquelles il n'y a pas de boulet. Vous pouvez glisser en dessous. Allez-y, aussi que vous voulez. Allez-y.
les lettres. C. 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 O. E. U. R. Cœur. Indra, tête de tigre. Le bon mot code d'aujourd'hui était effectivement le mot « cœur ». À la vigie, lors du premier indice, Cathy n'a pas obtenu le mot « centre », comme la cible, comme le milieu, comme le cœur. Nous avions également comme deuxième indice « pompe ». On a obtenu ensuite le mot « muscle » et dans la première tête de tigre, « pulsation », les pulsations du cœur. Effectivement, le bon mot code d'aujourd'hui, « cœur ». Pourquoi tu revenais pas? T'as failli être vert comme ton chandail. Mais si tout ça a fonctionné, c'est parce que Serge s'est sacrifié. Et puis on va au moins voir combien vous avez récolté. Dédé Alain amène les voyages ici. Eh bien, ça donne. On regarde ça. Richard, apporter tout Richard, ça. Richard, maintenant, tu peux aller te baigner, tu peux aller dans les hauteurs, tant que tu veux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.